Aujourd'hui, nous notons que les mathématiques sont devenues une discipline de plus en plus désertée par les jeunes étudiants et cela n'est pas du tout normal. Je pense qu'il faut qu'on inverse la tendance parce que qui parle d'émergence d'un pays doit parler forcément d'émergence de ces mathématiques. Tout le problème, c'est au niveau des lycées parce que nous notons actuellement une désaffection des élèves par rapport aux mathématiques. Et je pense que tout le problème vient de là et que pour le résoudre, il faut forcément penser à le solutionner de ce côté. Chaque jour, vous faites des mathématiques. Donc, c'est une activité quotidienne que vous faites. Donc, je pense que leur utilité n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, si les gens ont pu aller sur la Lune, c'est aussi grâce aux mathématiques. Même si en partie, la physique a beaucoup joué et pas d'autres matières aussi. Mais je pense que les mathématiques sont importantes et que si on veut avoir de bons scientifiques, il leur faut de bonnes bases mathématiques. Les mathématiques ne sont pas inaccessibles, comme certains laissent le penser, et qu'à force de travailler, bon, on réussit comme dans toutes les autres matières. Et puis il y a la manière d'enseigner. Je pense que là aussi, il faut que des pistes de réflexion soient menées pour améliorer un peu la manière de faire des mathématiques au Sénégal. Si on a une base mathématique, on peut être ingénieur. Si on a un ingénieur, on peut être pour moi, on peut être fait. Et les mathématiques, il y a chaque jour, il y a des mathématiques. Il y a calculé les dépenses, il y a calculé les filles, il y a calculé les passes. Il y a aussi des mathématiques là. Donc chaque jour, il y a des mathématiques. Donc les mathématiques, c'est ce qui est important. Et je pense que si nous réunions, si avancer, si nous développer, nous devons développer des mathématiciens, former des mathématiciens. Je pense que c'est ce qui est important. Former des mathématiciens, c'est ce qui est important. Pour que l'on soit plus heureux, plus heureux.